une histoire simple et vraie dont on ne parlera jamais. À la télé, à la radio, ni dans aucun de nos journaux. Pourtant, moi je n'ai pas dormi longtemps à cause de Marie. Elle vivait dans un cabanon avec sa fille et son garçon. Parfois l'hiver était si dur que de l'eau coulait sur les murs. Souvent, moi je n'ai pas dormi longtemps à cause de Marie. Un sourire qu'elle me donna, un peu mouillé par le frimas, une sorte d'invitation à pénétrer dans sa maison. Alors, moi je n'ai pas dormi encore à cause de Marie. Grâce à ce merveilleux cadeau, j'ai pu admirer ses photos, quelques trésors de son enfance, une vieille carte de France. Et puis, moi je dis à Marie, ton nid, je le trouve joli. De rester, elle voulait tout me raconter. Elle avait bien pensé mourir, mais il fallait se retenir. Tu sais, j'aime bien mes petits, c'est vrai, ils ont besoin de vie. Un jour qu'elle avait le bourdon, elle a quitté notre région avec ses gosses et une valise. Et j'ai trouvé dans sa remise un mot qu'elle m'avait laissé si beau, quand moi je l'ai gravé depuis. Je ne peux pas dormir, Marie, il fallait pas partir.